Bien, nous allons commencer cette vente avec le premier article de cette collection, une tartine. Une tartine de pain non grillé. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi, c'est sur quelle page du catalogue, là? C'est en page 4 du catalogue. Page 4, d'accord. Excusez-moi, votre catalogue, c'est le texte du sketch? Oui. Ouais. Je veux bien un catalogue, s'il vous plaît. Merci. Donc beurré de son extrémité droite à son extrémité gauche. Alors, pardon, oui. Excusez-moi, parce que sur le catalogue, en fait, c'est écrit l'inverse. Oui, j'ai vérifié. Hein? Oui. Autant pour moi. Voilà. Donc de son extrémité gauche à son extrémité droite. Bon, du coup, je vais la retourner. Ouais. Okay. Selon la technique dite de la triple quadrature à double versant opposé, comme vous pouvez le constater. Yes. Vous pouvez regarder. Yes. 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 Yes, my prince. Yes, it's very beautiful. Yes, very beautiful. Yeah. Alors, excusez-moi, mon client me demande si c'est une finition tempête ou simplifiée. Alors, c'est une finition tempête à la confiture de groseille. D'accord. Étalage contemporain ou traditionnel? Alors là, non, là, je me suis vraiment pas fait chier. J'ai étalé comme un con la veille. D'accord. Yes. Étaling quickly, quickly. Yes, my prince. Bien, mise à prix de cette tartine. Excusez-moi, est-ce que c'est possible de goûter? Oui, bien sûr, allez-y. Merci allez-y. Beaucoup. Voilà, comme vous pouvez le constater, c'est délicieux. C'est du beurre, c'est du beurre, c'est du... Hein. C'est du beurre salé. Vous voyez, c'est du beurre salé, ça vient de Bretagne, c'est délicieux. Vous pouvez vérifier le beurre. C'est du pain en fait, hein. Oui, c'est du pain. Et le beurre est pas trop dur, c'est-à-dire qu'il faut sortir le beurre du frigo avant. Ah. Ouais, ok. Donc, mise à prix. Donc. Mise à prix de cette tartine, ouais. 17 euros. Ouais, alors, attendez, disons. Ouais. My prince, yes. Yes, 17. What? Not butter only? Oh yes, it's a joke. It's a joke, yes. Very funny, my prince, excuse-moi. Non, c'est parce que mon client a une blague. Ouais. Il dit, par rapport au prix de la tartine, ouais. Il dit, il n'y a pas que le beurre qui est salé. C'est drôle, c'est très, très drôle. C'est quelqu'un qui a énormément d'esprit. Hein. Ouais. Ouais, non. Yes, my prince, yes, it's very funny. What? Oh, alors, attendez, il a une autre blague. Ouais. Ouais. C'est Toto qui va au marché. Ouais. Il achète un melon. Non, mais on n'a pas le temps, On va continuer la vente avec un verre, pardon. Yes, not the time. Ooh. La vente avec un verre de jus d'orange. Avec une boîte de Chocoflex. Une boîte de Chocoflex saveur cacao calligraphiée avec la pensée suivante. Si tu as un coup de pompe, fais le plein de vitamines à la pompe. Yeah, yes, voilà. My prince. Mise à prix 12,40€. Yeah, attendez, parce que mon client me dit qu'il y en a à l'épicerie pour 5,95€. Ouais. Ça doit pas être des vrais. Est-ce qu'il a un certificat d'authenticité? Yeah, my prince. Yeah, yes. Can you gooting? Yeah, it's crusty. Schrutsch, nyark, nyark. Non, je comprends rien, elle a la bouche pleine. C'est... Quoi? Le melon, il a pas de pépins? Ah ouais, non, il est toujours sur la blague de Toto qui va au... Ouais, bon, dans le doute, je la prends. Okay. Très bien, 12,40€, une fois 12,40€, deux fois 12,40€, adjugé, bravo monsieur. Nous arrivons à la dernière pièce de cette collection, la pièce star, la pièce principale. C'est le bol? Oui, c'est calmez-vous. C'est le bol, mes prince. Calmez-vous. C'est le bol, on est combien? Je demande c'est le silence. Je demande okay. Le silence dans la salle. Je fais évacuer la salle. Calmez-vous un petit calmez-vous. Peu, calmez-vous. Taisez-vous. Allez, calmez-vous. C'est le bol, hein? C'est le bol. On y va. Un bol blanc, yeah, white avec bol. Des gommettes multicolores, yes. Et des gommettes des petits canaris et des vaches meumeux, une vache devant,
une vache derrière un bol. With two cows, my prince. Two cows. Two cows, mise à prix de ce bol, 22,90 €. Ouais. 26 millions. Quoi? 26 millions. De 26 millions d'euros. 26 millions d'euros. Alors, je vous rappelle que vous avez déjà fait l'acquisition d'une tartine à 17 €, plus des chocoflex à 12,40 €. On est à 29,40 € plus 26 millions. On est à 26 millions. On est à 27 millions. Ah ouais, non, non. Je confirme l'achat. Hein. Vous confirmez ouais. L'achat à 26 millions. 26 millions une fois. 26 millions deux fois. 26 millions trois fois. Ah là là! C'est vraiment... Je rappelle que... Heureusement qu'il n'est pas cassé! Bien! Yes! La dernière pièce est une nouvelle chute de ce sketch. À trouver immédiatement. Yes. Ouais, oui, parce que voilà, donc en fait, c'est ça. Hein. My Prince, attends, est-ce que mon client avait une blague? Ouais. Il me dit, le bol aura été cassé. J'aurais dit, pas de bol. Voilà. Hein? Et déjà, il trouve que c'était pas une super chute. Mais alors là, avec le bol pas cassé... J'en ai peut-être une autre qui me vient. Alors allons-y. En tout cas... Écoutez... Ce qui est sûr, le sketch, je sais pas, mais pour la chute, on s'est pas cassé. Merde, putain, pourquoi je casse pas le bol? Ben et Arnaud, sa mère. Je crois que c'est mon premier fou rire depuis le début de l'émission, j'en pleure. Ben et Arnaud, ça va bien? Ouais. Oui, ça va. Merci Ben et Arnaud. Je sais que vous avez fait exprès de ne pas casser le bol. Ça reste ouais. France 2, on connaît les budgets. Non, attends, ils vont l'enlever. Non, vous voulez qu'on... Non. Ah fais-toi plaisir, Florent, on répète, Florent. Ça marche. Merci. Non, je vous avais dit. C'est quoi ce nom? Non, Florent, je vous avais dit. Non, c'est France 2. Ah non. C'est... Non. Je ne partirai pas. L'autre côté du marteau. Pas l'autre côté du marteau, Flo. C'est le salaire d'un des membres du jury qui part, hein, vraiment. Là, ça... Non. Mais c'est pas possible. Il est incassable. Ouais. Ouais. 26 millions. C'est... Essayez sur les biscottes, peut-être, plutôt. Ah ouais, attends, voilà. Peut-être... Voilà. Si, ça marche. Voilà, ça marche. Ça... Merci. Merci, Florent. Ah. Florent, venez-vous asseoir. Vous avez entendu la petite virgule. Le jury a noté ce duo Arnaud de sa mère et Ben. Vous avez l'air tout triste, vous étiez attaché à ce bol, Grégoire, qu'est-ce qui se passe? Grégoire Fureur. Oui. Alors Non, mais c'est du grand art. Enfin, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est d'abord 2 mètres de l'absurde. Il y a une complicité entre eux qui est absolument incroyable. Moi, j'adore. Après, je dirais qu'au niveau de la note, qu'on mette 17, 18, 19, 16, de toute façon, c'est une excellente note. Bah, mais 20, alors. Non. Déjà, je mettrais 20, c'est vraiment extraordinaire. Mais pour moi, j'ai une petite retenue simplement sur certains enchaînements. J'ai le sentiment qu'ils sont tellement à l'aise que des fois, ils se laissent un peu aller. Donc j'ai mis 17, mais évidemment, ça reste un grand sketch. J'ai mis 17, là. Voilà. Juste Bruno. Oui, j'ai mis 17 juste pour les embêter un peu, puis pour les obliger à refaire encore mieux, parce que je sais qu'ils sont géniaux. Donc voilà.
Merci. En même temps, Arnaud, vous avez été parrain la première semaine. Vous savez que déjà un 15 pour Grégoire Führer, c'est un peu l'apologie de la félicité. Hein, donc, Je me souviens de cette phrase déjà mythique. J'ai mis une bonne note, un 12. Oui. C'est pour ça, mais on part de loin quand même. Il faut le temps. Il s'ouvre petit à petit. C'est un peu comme un bon vin. Laurent Thibault. Je suis tout à fait d'accord avec Grégoire. C'est, vous vous amusez, vous cherchez du regard. Quand il y en a un qui est perdu, l'autre rattrape l'autre. C'est vrai que par rapport à vos petits camarades un petit peu avant, c'est vrai que vous avez un avantage. Vous connaissez extrêmement bien. Donc, on ne peut pas vous mettre une mauvaise note, c'est évident. Donc, je garde la même note que j'avais mise à Ben il y a deux semaines, je crois. Il y a deux semaines, ouais. Je laisse un 18, je continue à mettre un 18. Merci. Enfin, Arnaud, Ben, vous chauffez pas trop, hein, ça vous fait un 9 chacun, hein, parce qu'on va diviser en deux, sûr, hein, forcément. Stéphanie Bataille. J'ai adoré l'absurde, j'ai adoré ce côté surréaliste, c'est tout ce que j'aime. Une vraie folie, une écoute de tous les deux. Ils s'écoutent, ils ont failli avoir des fous rires, l'œil qui frise, on est dans la vie, c'est large, c'est tout ce que j'aime. Voilà, j'ai mis 18, merci. Merci. Marie-Pascal Ostéride, je rappelle que vous êtes metteur en scène, notamment de Michel Bernier. Alors, Marie-Pascal. Moi, je vais me faire huer. Moi, j'adore Ben et j'aime beaucoup Arnaud, ils le savent. Donc, j'ai trouvé que c'était un petit peu facile. J'ai trouvé que vous étiez un petit peu trop reposé sur votre complicité et sur votre... Sur le fait que ça fonctionne. Donc évidemment, c'est éminemment sympathique et on a passé tous un excellent moment. Mais c'était un petit peu... pas autant de travail que d'habitude, l'écriture. Voilà, donc moi, je vous ai mis 15 parce que j'aimerais bien avoir mieux. Est-ce que je peux dire quelque chose? Bien sûr, Arnaud. C'est bien. Quand même. Non, parce que Marie-Pascal, vous dites, quelques manques de travail compensés par le fait qu'on est en complicité, etc. Vous n'avez pas tort. Franchement, vous n'avez pas tort. Bon, je voudrais qu'on regarde donc le cumul des notes des membres du jury. Vous avez un total, Ben et Arnaud, de 68. Merci. On va découvrir la note que vous a donné le public, Ben et Arnaud. Le public vous a donné la note de... Merci beaucoup. 85. Yes, mec. Qu'on ne demande qu'à en rire, retrouvez vos humoristes préférés, les sketchs cultes et les nouveaux, les vidéos exclusives, les coulisses, alors abonnez-vous.